sur mon parcours sportif, je suis basketteur. J'ai joué en petite catégorie à Bob, où je suis revenu après pour terminer ma carrière. Mais après cela, je suis allé à Kolda, où j'ai joué à Kolda Basket Club. J'ai fait le Casa Sport avec des amis, et ce qui m'inspire beaucoup à revenir en Casamance. Et après, je suis reparti vers le nord pour jouer au Stade de Bourg. Et après, revenir à Bob, comme j'ai eu à le dire auparavant. C'est après Bob que je suis devenu un des dirigeants, dirigeant actuellement l'équipe de l'ASC Bob. Après l'ASC Bob, j'ai voyagé, je suis retourné, je suis allé aux États-Unis. Voilà, le basketteur, M. Diatta, vous êtes devenu aujourd'hui un citoyen sénégalo-américain qui œuvre dans l'humanitaire. Comment vous est venu l'idée de créer cette association? L'idée est venue de ma femme, si je peux dire. Je me félicite de ses idées. Nous avons pensé que le sport est une vie. Nous avons tout à travers le sport, et de par ce sport, nous voulons rendre à notre pays, à notre nation, ce qu'elle nous a donné. C'est pourquoi nous avons créé cette organisation, utilisant le sport comme moyen de développement social. Oui, le sport comme moyen de développement social, vous l'avez dit. Et quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mener à travers dans le monde, en Afrique ou au Sénégal particulièrement? Actuellement, basé aux États-Unis, nous travaillons surtout pour le Sénégal, mais aussi pour d'autres pays partant des États-Unis où nous vivons. Nous faisons des conférences, surtout pour la jeunesse, pour leur expliquer qu'ils peuvent réussir dans la vie, dans n'importe quelle situation. Au Sénégal, nous avons commencé à faire des actions peut-être informellement, si je peux dire, parce que il n'y avait pas autant de presse. Nous n'allions pas vers la presse, nous venions et faisions nos actions réellement sur le terrain et repartions sur les États-Unis. Mais après, il y a eu des dons en chaussures, en maillots, en blousons pour les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir de façon à ce qu'ils deviennent des leaders dans le sport. Aussi que depuis 2006, officiellement, nous avons commencé à travailler dans différentes régions du Sénégal. Nous avons été à Kaolack, nous avons été à Dakar, nous avons été à Saint-Louis, à Fatick, à Joal et Faidou. Là, nous sommes cette année venus avec Ziguinchor et Tambacounda. Et toujours dans cette même dynamique de sport pour le développement social.